Bonjour à chacun, je renouvelle les salutations. Et cela, c'est pour ouvrir la parole de Dieu avec vous. Il y a un moment dans la semaine où je disais au Seigneur, quelle parole voudrais-tu que j'apporte à l'Église? Eh bien, comme nous sommes... La semaine dernière, j'avais partagé avec vous le fait que derrière le visible et le matériel, il y a toujours quelque chose de spirituel. C'est comme la parole de Dieu qui dit « Le monde est sous la puissance du mal, le monde qu'on voit. » Et sous la puissance du mal, il y a quelque chose de spirituel. Et là, le Seigneur m'a dit « Parle de moi. » Parle du nom de Jésus, parce que pour faire face à ce monde spirituel, il n'y a que le nom de Jésus qui peut repousser ça. Et il faut de plus en plus parler de Jésus, parler de ce Christ qui est venu dans ce monde nous sauver, mais par son sang, je l'ai entendu dans une prière, nous protéger, nous garder. Et quand on se confie en lui, c'est ce qu'on va voir, eh bien on peut être secouru par le nom de Jésus. Alléluia. Et du coup j'ai cherché dans les évangiles parce que ce sont les meilleurs récits pour parler de Jésus. Et j'ai trouvé, il me semble, un récit que nous connaissons bien, mais qui parle tellement bien de lui, de ce qu'il est capable de faire dans une vie et dans une famille. Marc chapitre 9. Le verset 14. Marc chapitre 9, le verset 14. On trouve aussi ce récit, les deux autres évangélistes, on appelle ça synoptique, Matthieu, Marc, Luc. On parle aussi de ce récit, donc Matthieu, c'est dans Matthieu 17, verset 14, et dans Luc 9, verset 37. Mais on va lire Marc 9, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourue pour le saluer. Il leur demanda : Sur quoi discutez-vous avec eux ? Et un homme de la foule lui répondit : Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand supporterai-je? Amenez-le-moi, on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, c'est le titre de ma méditation avec vous ce matin, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus, une bonne fois pour toutes. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Et d'autres manuscrits disent que par la prière et par le jeûne. Amen. Voilà un récit qui peut élever Jésus, en tout cas je l'espère dans ma prédication ce matin, que
que lorsqu'on va terminer cette réunion, que l'on puisse dire, si je crois en Jésus, eh bien, il peut quelque chose. C'est ce que cet homme a demandé. Si tu peux quelque chose, et si je crois, parce qu'on va voir que c'est surtout, non pas une affaire de morale ou de théologie, mais une affaire de foi, le fait de faire confiance, non seulement dans une statuette, j'ai entendu dans une prière tout à l'heure, mais dans un nom, le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit. Jésus est vivant, il peut faire encore des miracles, mais ça, vous le savez. Qui n'aimerait pas voir l'état de son enfant s'améliorer, de son petit enfant? Quel parent ne ferait-il pas tout pour secourir son enfant? Les disciples, quand on lit les évangiles, chaque miracle a un enseignement, en tout cas pour les disciples en formation à l'époque. Parce que si on avait noté, l'évangile de Jean dit que si on avait noté tous les miracles de Jésus, aucune bibliothèque ne pourrait écrire ce que Jésus a fait en 3 ans. C'est quand même pas mal. Mais les miracles qui ont été notés pour un but. Et surtout pour le but de former les disciples qui marchèrent avec lui. Mais là, Jésus, entre guillemets, s'impatiente. Il dit aux disciples, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Race incrédule. Comme si c'était une évidence pour Jésus qu'il faut croire pour voir de grandes choses, pour voir la gloire de Dieu. C'était une évidence pour lui, mais ce n'était pas si évident pour les disciples. Et peut-être, ce n'est pas si évident pour nous aujourd'hui. Mais Jésus s'exclame et dit, et s'il n'y avait qu'une chose à retenir ce matin, tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, croyez-le. C'est vrai qu'on le répète souvent dans les chambres, tous les dimanches matins, mais c'est bien de le répéter. Pas seulement de le répéter, mais quand on va sortir d'ici, tout est possible. Si je crois en Jésus, tout est possible. Des choses peuvent arriver, un exaucement de prière ou autre. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'enfant va voir. Il va voir une lumière, il va voir une lueur, mais derrière ce qui est mauvais va voir aussi Jésus. Et je crois, frères et sœurs, comme ce père, il a consulté les hommes plutôt que Jésus, il faut que les gens voient Jésus. Il ne faut pas que les gens voient un pasteur, il ne faut pas que les gens voient une église. Je veux qu'ils voient Jésus. Je veux que celui qui a un problème, il voit Jésus. Parce que dès lors qu'on voit Jésus, le secours vient, le salut vient dans la maison. Voici mon premier point avec vous ce matin. J'ai quand même noté ça. Un enfant, sous l'emprise du mal. Forcé de constater aujourd'hui, et on peut le constater encore plus de nos jours, que le mal commence petit et s'enracine lorsque l'enfant vieillit. Mais le mal commence petit. En tout cas, si on ne veille pas. Regardez un petit peu l'état de cet enfant. Verset 18, je lis dans la version Parole Vivante. N'importe où, quand cet esprit s'empare de lui, c'est-à-dire c'était assez périodique, quand cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre, de l'écume sort de la bouche de l'enfant, qui grince des dents, tout son corps devint tout raide. Verset 22, Parole Vivante. Plus d'une fois, l'esprit l'a poussé à se jeter dans le feu, plus d'une fois, et dans l'eau pour le faire mourir. J'imagine les traces sur le corps de cet enfant. Les brûlures. Je m'imagine le corps de... Je pense qu'il est devenu un préadolescent et il y a des traces de brûlures. Et on est touché quand on voit des enfants des enfants sous l'emprise du mal. Ça existe.
il y a des choses anormales qui se passent chez cet enfant. À l'époque de Jésus, le père va dire, c'est un esprit, parce qu'il côtoyait ça presque tous les jours, surtout à l'époque de Jésus. Esprit sourd et muet. Mais de nos jours, c'est pas si évident que ça que de détecter ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut qu'il voie Jésus. Le vrai médecin de ces choses-là. Des fois, comme je l'ai dit la semaine dernière, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parfois, derrière certaines pathologies, ce n'est pas toujours des pathologies. Quelque chose de spirituel derrière. Cet enfant était sous l'emprise du mal. Mais c'était périodique, mais c'était quand même le mal, l'esprit du mal. Des fois, c'est plus profond que ça. Moi, je ne me souviens pas avoir vu un enfant possédé de ma vie et de mon ministère. Je ne sais même pas si je veux voir ça un jour. Que Dieu m'en préserve. Mais si c'est le cas, eh bien, on doit se préparer, frères et sœurs. Il est rare de voir un enfant possédé par un esprit mauvais. Parce que on ne peut pas dire qu'il a ouvert la porte. C'est un enfant. On ne peut pas dire qu'il a ouvert son cœur au démon. Il n'a pas dit au démon de. Il n'a pas invité le démon dans son cœur. C'est un enfant. Sa capacité de choisir est tellement réduite qu'il est innocent, si on peut l'exprimer ainsi. Par contre, je ne sais pas comment les parents ont exposé cet enfant à des environnements qui l'amènent à être influencé. L'enfant est dans l'émerveillement. Vous le savez, ça c'est un rappel. Vous avez eu des enfants. Il est dans l'émerveillement. Il apprend. Et du coup, moi je vois mon petit de 3 ans qui répète tout ce que je dis parce qu'il observe, il s'émerveille, il capte les choses. Mais qu'est-ce qu'il va capter? Si on le met dans un environnement spirituellement mauvais, il va capter aussi. Mais il va capter ce qui est mauvais. Et là-dessus, il n'y a pas besoin de démon pour qu'il soit sous l'emprise du mal, en général. La violence, on a entendu parler de ce beau-père qui a frappé à mort un petit de 3 ans. Quand j'ai lu cet article, j'ai versé des larmes, frère, c'est ça, parce que je pensais à mon petit de 3 ans. Mais il était dans un contexte, et quand on a appris, j'écoutais ça aussi à la radio, et puis il s'avère que ce beau-père qui frappait ce petit était frappé par son père. Parce qu'il était exposé à ça. Et notre société favorise certains environnements spirituellement mauvais. Pas besoin de démons pour ça. Il suffit d'exposer. Hier, je parlais avec une maman qui disait que un enfant de 8 ans, dans mon club d'ado à Vernon, il y a un club d'ado, et je le voyais toujours dissipé, etc. Et puis, je dis, mais c'est pas normal. Je posais des questions sur ses parents, et puis il s'avère que cet enfant consulte régulièrement, télé ou bien, régulièrement, des sites pornographiques. 8 ans. Il n'y a pas besoin d'aimant pour que les enfants soient sous l'emprise du mal. Je ne parle pas de démon encore. Pas de mal en général dans la société. Cela dit, c'est quasiment impossible de mettre une bulle chrétienne évangélique autour de nos enfants et de nos petits-enfants. En revanche, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Dans la version française courante de ce texte, j'aime bien, donne des bonnes habitudes à ton enfant, et quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Donne des bonnes habitudes. Quand j'ai compris ça de ce texte, chaque nuit,
Je fais prier mon petit garçon de 3 ans, parce que ça, c'est une bonne habitude. Il faut qu'il prie, il faut qu'il soit dans une atmosphère spirituellement bon, sain. Parce que je ne peux pas le protéger tout le temps. D'ailleurs, ce n'est pas bon de surprotéger. Par contre, je peux semer. Semer, l'apôtre Pierre dit que la semence de la parole, c'est une semence incorruptible. C'est-à-dire une semence qui ne tarit pas. Donne de bonnes... Proverbe 22, verset 6, je l'ai noté. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Mais même, pour nous déculpabiliser un peu, même si on a donné une bonne éducation, même si on a favorisé son atmosphère, même si la maison était bien, si nos enfants sont allés à l'église, etc., il peut arriver, comme ce papa, qu'on soit impuissant face à certains problèmes des enfants. S'il y a des choses toujours qui nous dépassent, la maladie par exemple. Quand un enfant est malade, je ne suis pas médecin, je ne peux rien faire. Ça nous dépasse. Donc même quand on a bien fait les choses, il peut arriver qu'à un certain moment, on soit impuissant face aux dérives que l'enfant prend, même si on les a bien éduqués. Mais du coup, il faut bien réagir à ce moment-là. Il faut l'amener à Jésus par la prière. Ce père l'a amené chez les disciples qui n'ont rien pu faire. Et souvent, pour résoudre nos problèmes, on croit s'adresser aux bonnes personnes. Parce qu'on les aime. Parce qu'ils sont proches. Parce qu'ils sont compétents. Parce qu'ils ont fait des études, etc., etc. Mais certains problèmes sont plus spirituels qu'autre chose. Il faut s'adresser à Jésus. Jésus, si tu peux quelque chose, viens faire quelque chose à mon fils, viens faire quelque chose à ma fille. Touche-le, touche-la. Et quand on prie, frères et sœurs, on va le voir. Jésus entend, même si ça dure un petit peu de temps. Matthieu 17, verset 19, c'est le même récit, mais écrit par Matthieu. On va voir que ce n'est pas une question, ce n'est pas la puissance de Jésus qui est en cause. Pourquoi les disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant? Pourquoi on n'a rien pu faire? Ça peut nous arriver quand on est impuissant face au problème. Mais Seigneur, pourtant je te prie, pourtant j'ai prié au nom de Jésus, etc. Je l'ai amené à l'église, je l'ai bien éduqué, etc., etc. Et pourtant, je suis impuissant face à ce problème. Des fois, c'est une question de foi. Des fois. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Jésus dit, une réponse limpide, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Dans la version française courante, c'est parce que vous avez trop peu de foi. Second 21, c'est parce que vous manquez de foi. Et dans une autre version, il est dit, parce que, je ne sais pas si vous entendez souvent ce reproche-là de la part du Seigneur, c'est parce que vous n'avez pas assez de foi. Du coup, je me dis quelque chose, quand je réfléchis à rien qu'à ce texte, quand Jésus me répond, mais des fois, Seigneur, mais pourquoi ça ne marche pas? Des fois, le Seigneur nous répond de cette manière. C'est parce que tu n'as pas assez de foi. Et on va parler de ça ce matin. Parce que je crois, frères et sœurs, que si cette question de foi est réglée, on peut faire de grandes choses. Tout est possible. Beaucoup de choses pourraient arriver en notre faveur si nous avions un petit peu plus de foi. On va voir qu'on ne va pas parler forcément de quantité, mais de qualité. Plusieurs choses n'ont pas pu être exaucées jusqu'à aujourd'hui, peut-être parce qu'on manque de foi. Et certains diront, mais j'ai la foi. Gilbert, ça fait longtemps que je suis à l'église.
comme les disciples. Deux ans et demi qu'ils sont avec Jésus, le maître, le pasteur des pasteurs. Ils ont vu des miracles, etc. Mais ils n'ont rien pu faire. Est-ce qu'ils manquaient de foi? C'est là la réponse de Jésus. Cela peut encore arriver aujourd'hui. Souvent, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. Souvent, c'est parce que nous ne croyons pas assez. Souvent, c'est ça. Des fois, Dieu ne veut pas, mais il nous répond quand il ne veut pas. Mais quand il ne nous répond pas, il faut continuer à croire. Parce que souvent, c'est là, le problème, c'est qu'on arrête de croire. C'est qu'on se décourage à croire. Alors que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Les disciples avaient la foi, mais leur foi, parce que Jésus va, c'est assez paradoxal, Jésus va dire, mais vous n'avez pas assez de foi dans Matthieu, mais si vous avez de la foi, petit comme un grain de sénévé. Et j'ai trouvé ça assez paradoxal finalement. D'un côté, Jésus dit que je n'ai pas assez de foi, mais le verset suivant, Jésus dit qu'une petite foi suffit. Oui, mais Jésus n'a pas pris n'importe quelle comparaison, il a pris un grain. C'est parce que dans le grain, ce n'est pas vide, il y a du contenu. Dans le grain, il y a de la vie qui va éclore. Le reproche de Jésus n'est pas tant sur la quantité, la masse de la foi, mais la densité de la foi, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que peut-être que allez, je suis faible, je tente souvent, etc. Et je vais à l'église de temps en temps, je ne suis pas trop zélé, etc. Mais une petite foi qui a du contenu ne se voit pas forcément à l'apparence. Mais sa foi est de taille parce que dedans c'est rempli. Et ce matin, la question, frères et sœurs, ce n'est pas est-ce que tu as une petite foi ou est-ce que tu as une grande foi. Ça peut se poser comme question. Mais ce n'est pas là le sujet ce matin. C'est que est-ce que ta foi est remplie? Ou est-ce que c'est juste une couche ou une façade? Alors une foi remplie, c'est une foi qui a de la vie, comme ce grain de sénévé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Jacques va enseigner. Une foi morte est une foi inutile. Ça ne sert à rien. C'est une foi, mais elle est morte. Les disciples, à ce moment-là, avaient une foi. Mais elle était morte à ce moment-là. C'est dans Jacques 2, verset 14. Vous le lirez chez vous si vous le voulez. Mais Jacques 2, verset 14, verset 26, Jacques explique ce qu'est une foi morte. Et c'est important de comprendre ça, frères et sœurs, parce que c'est vrai qu'on a la foi. Mais des fois, peut-être que cette foi-là n'a plus la vie, la vigueur spirituelle. Il en a besoin. Et c'est pour ça que même une petite foi, mais qui a beaucoup de vigueur spirituelle dans cette petite foi, ça peut tout changer. Alors que des fois, il y a des grandes fois, c'est-à-dire en apparence, en façade, ou des rites spirituels, etc. Mais dedans, c'est vide, ou c'est mort. Ça existe aussi. Et c'est ce que Jacques explique dans Jacques 2, verset 14 à 26. Voilà, vous lirez chez vous, mais en gros, ce que Jacques explique, c'est que qu'est-ce qu'une foi morte? Je l'ai dit ce matin, ça va être une question de foi qu'on, si possible, avec la grâce de Dieu, on va régler ce matin. Qu'est-ce qu'une foi morte? C'est ce que Jacques explique. Une foi qui ne sert à rien. Un croyant qui laisse dans la nudité le froid, quelqu'un qui en a besoin. C'est quand Jacques explique que voilà, toi tu te dis que tu es croyant, mais quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, qui est nu et qui manque de nourriture, tu dis, allez, va, réchauffe-toi, que Dieu te bénisse. Mais tu ne fais rien pour lui. Et Jacques dit que cette façon de procéder provient d'une foi morte. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, la deuxième chose que Jacques va expliquer, c'est qu'il va prendre l'exemple d'Abraham, qui va obéir à la parole de Dieu pour aller sacrifier son fils. Et on sait qu'arrivé là-bas, Dieu va pourvoir aux besoins d'Abraham pour ne pas qu'il sacrifie Isaac. Mais Abraham a obéi. Et la troisième comparaison que Jacques explique, c'est Rahab. Rahab est qui va prendre le risque d'héberger les espions de Josué et qui va sauver toute sa famille à Jéricho. Du coup, qu'est-ce que Jacques nous explique? Une foi morte, premièrement, c'est une foi qui manque d'amour. L'apôtre Paul dit que la foi est agissante par la charité. Une foi qui manque d'amour ou de compassion, plutôt compassion qu'amour, c'est une foi morte. Je pense que les disciples, ils n'ont pas pu délivrer cet enfant possédé par le démon. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'ils aiment vraiment la mère ou le père. Je ne sais pas s'il voulait vraiment le porter dans son cœur. Selon Jacques, la deuxième, comment dirais-je, quand il explique Abraham, une foi morte, c'est une foi qui obéit à moitié et qui n'obéit pas à tout prix. Une foi vivante, c'est une foi qui obéit à tout prix. Oui, on a la foi. Mais est-ce qu'on est prêt à tout? Et c'est ça l'exemple d'Abraham que Jacques m'a expliqué. Et la foi vivante, c'est la foi qui dit oui, j'ai la foi, mais oui, j'obéis à tout prix. On n'obéit pas à moitié, mais à tout prix. Et enfin, Rahab, c'est-à-dire une foi, et je crois peut-être un des aspects les plus importants de la foi vivante, c'est une foi qui ose. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez du pasteur Georges Müller qui a obéi à la parole de Dieu en hébergeant des orphelins, il a écrit un livre qui s'appelle « L'audace de la foi ». C'est une foi audacieuse. Et peut-être que parfois c'est ça qui nous manque. Oser faire des choses qui peuvent être ridicules dans un raisonnement logique humain, qui peuvent être ridicules aux yeux du monde, mais chose, parce que non seulement Dieu m'a dit, mais je crois en Dieu. Et ça, c'est la foi qui peut transporter des montagnes, même si elle est petite. Elle a besoin de trois choses. De la compassion, de l'obéissance et de l'audace. C'est ce que Rahab a fait. Rahab a pris le risque d'héberger ses espions. Elle a osé, au péril de sa vie, prendre des risques. Cette audace de la foi, c'est un petit peu la même chose lorsque Pierre va dire « sur ta parole », alors que nous avons travaillé toute la nuit, je l'ai amené chez le médecin, ou j'ai fait ceci, cela, j'ai tout fait Seigneur, mais sur ce que tu dis Seigneur, moi je vais jeter le filet. Seigneur, j'ai amené mon enfant, j'ai fait tout ce qu'un bon chrétien peut faire, je l'ai bien éduqué, etc., etc. Mais sur ta parole, je vais continuer de croire. C'est cette audace-là. Ou encore l'audace de donner manger à des milliers de personnes, seulement avec 5 pains et 2 poissons. Ou encore les 4 amis paralytiques qui vont découvrir le toit de la maison où était Jésus. Mais ils vont le découvrir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette audace de la foi. Aujourd'hui, nous avons le réflexe, parfois, d'assurer nos arrières. Et c'est bien de le faire, pour notre vie. Mais notre réflexe ne doit pas être seulement de prévoir nos arrières pour notre vie. Mais notre réflexe doit être notre obéissance. Imaginez un peu lorsque Jésus va... Imaginez un peu vous retrouver dans cette situation où Jésus va demander au jeune homme riche qui avait tout, à dire, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres.
La foi, c'est parfois obéir, non pas à cette parole-là, précisément, parce que c'est une parole qui s'est adressée au jeune homme riche personnellement. Mais la foi, c'est d'obéir à ce genre de parole. Cette parole qui va, comment dirais-je, qui va vous, on l'a entendu dans le don spirituel, qui va vous démunir de tout. Cette parole qui va te dire de vendre tout, de laisser tout tomber. Est-ce que tu vas oser croire à cette parole et y aller? Et cette foi-là, frères et sœurs, c'est celle-ci qui déplace les montagnes. C'est cette obéissance-là qui va déplacer les montagnes. Est-ce que je vais continuer à croire quand Dieu me demande de tout quitter, de tout vendre, par exemple? Et enfin, cette petite semence, la foi dont parle Jésus, quand il dit « mais c'est à cause de votre manque de foi aux disciples », eh bien c'est la foi, comparée à cette semence, c'est une foi qui commence petit et qui s'enracine. En d'autres termes, c'est une foi vivante qui grandit, qui commence par un petit grain et finit par être un arbre. La foi qui sauve les gens, c'est cette foi-là. La foi qui opère des miracles et des délivrances, c'est cette foi-là. La foi qui délivre nos enfants de l'emprise du mal, c'est cette foi-là. Une foi qui grandit. Et vous le savez comme moi, pour grandir, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut donner de la nourriture à la foi. Il faut faire des exercices à la foi. La nourriture de la parole de Dieu. Une foi qui s'accroît. Pourquoi? Parce qu'il a une relation avec le rémunérateur de la foi. Nourrissons notre foi de la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi vient de la parole de Christ. Musclons notre foi par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon, Matthieu 17, 21, ne sort que par la prière et par le jeûne. La foi n'est pas une baguette magique qu'on va sortir pour faire apparaître des miracles ou des délivrances. Non, la foi, c'est une semence qui a besoin d'éléments naturels pour grandir. Il faut que cette semence soit plantée dans la terre, la bonne terre. Elle a besoin de pluie, elle a besoin de lumière pour que cette foi grandisse. Et quand Jésus dit que vous manquez de foi ou vous n'avez pas assez de foi, c'est peut-être qu'il manquait des éléments surnaturels à la foi de ses disciples. Peut-être qu'il manquait la terre, c'est-à-dire un cœur bien disposé. Peut-être qu'il manquait la pluie, c'est-à-dire qu'il manquait peut-être de prière. Mais il faut que la foi véritable puisse réunir tous ces éléments-là pour qu'elle soit, pardonnez-moi l'expression, plus costaud. La prière, le jeûne, l'obéissance à la parole de Dieu, la compassion. Pourquoi je vais aller évangéliser? Pourquoi je vais aller prier pour les malades? C'est parce que je les aime. La foi est agissante par la charité. La foi est une semence qui a besoin de certains éléments spirituels pour grandir. La prière, le jeûne. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui vont délivrer l'enfant du démon, c'est notre foi. Mais notre foi a besoin du jeûne et la prière. Le jeûne particulièrement, et je vous invite, frères et sœurs, à jeûner. Pourquoi je vous invite à jeûner? Parce que c'est difficile de jeûner. Mais un trésor ne se trouve pas facilement comme ça. Il faut creuser. Il faut chercher. Et souvent, c'est dans la prière et dans le jeûne que notre foi, puisque notre corps est démuni de tout. On parlait des vêtements tout à l'heure. On enlève tous nos vêtements. C'est spirituel, hein, je ne vais pas enlever ma chemise ce matin. Bon, je m'enlève de tout ce qui pourrait être mes subsistances, même naturelles et légitimes, parce que le jeûne va m'amener à dépendre que de Dieu. Et du coup, quand
comme je ne dépends que de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait ma foi? Elle augmente. Elle grandit. Mais des fois, je suis parce que je ne vais pas parler de vous, je vais parler de moi, c'est que je suis comme ce père qui dit, viens au secours de mon incrédulité. Obligé de confesser ce manque à Jésus. Il vient nous secourir. Alors que le père de l'enfant appelle Jésus, j'aime bien cette image-là, et je termine avec ça. Avant que Jésus, donc ils étaient à la montagne de Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean et Jésus reviennent de la montagne, et là ils voient les disciples en train de discuter avec ceux qui aiment bien discuter avec Jésus au départ, c'est-à-dire les scribes, les responsables religieux de l'époque. Et quand j'ai vu ça, qu'ils étaient en train de discuter, mais où est passé l'enfant? C'est-à-dire, mais ils trouvent le temps de discuter au lieu de s'occuper du père et de l'enfant. Pourquoi ils étaient en train de discuter alors qu'il y avait un enfant qui écumait, hein? Je ne sais pas si vous arrivez à trouver le temps de discuter quand un enfant à côté de vous est mal en point. Non, on se bat, on l'entoure, en tout cas si on ne peut rien faire. On l'entoure, mais on ne discute pas à côté. Mais eux, ils étaient en train de discuter. Vous savez, ils étaient en train de discuter de quoi? Eh bien, ils étaient déjà en train de, selon moi, de donner des conclusions théologiques et spirituelles de pourquoi ça n'est pas arrivé. Eh bien, je pense que théologiquement, je n'ai pas bien posé les mains. Ou je pense que théologiquement, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Ils étaient en train de discuter de cela. De la théologie, des choses qui ne sont pas mauvaises. Hein. Mais parfois, surtout quand il y a urgence, au lieu de donner déjà des conclusions à pourquoi on n'a pas pu faire ça, Seigneur, pasteur, mais pourquoi mes enfants sont dans cet état-là? C'est parce qu'un tel a fait un tel et puis qu'on trouve tout de suite des responsables. On trouve tout de suite, c'est à cause de la société, du monde, etc. C'est vrai. Mais ce n'est pas le temps de discuter de ça. Il faut agir. Il faut prier. Et c'est assez surprenant que beaucoup trouvent le temps de discuter alors qu'il y a des gens qui meurent à côté. C'est assez étonnant que beaucoup discutent encore de problèmes théologiques, des divisions dans l'église, dans la terre, etc. Alors qu'à côté de nous, il y a des enfants, des hommes et des femmes, des familles qui meurent. Et quand Jésus arrive pour leur poser la question « De quoi êtes-vous en train de discuter ?» J'ai écrit ici « Heureusement que le père de l'enfant est venu couper la parole. » Parce que il me semble que les disciples étaient un petit peu embarrassés de répondre à Jésus. Ils sont en train de discuter avec les scribes, et Jésus vient, tiens, vous parlez de quoi? Je pense qu'ils n'ont pas envie de répondre à Jésus. Et heureusement que le Père est venu couper la parole, et il va dire, Seigneur, viens au secours de mon enfant. Frères et sœurs, viens au secours de mon incrédulité, a été plusieurs fois, et je pense, pour beaucoup d'entre nous, et moi le premier, a été notre prière. Je crois. La Bible dit, il s'est écrié. Je crois. Je crois, Jésus. Je crois en toi. Frères et sœurs, quand vous allez arriver chez vous, et quand il y a les problèmes qui vont venir dans votre esprit, et quand il y a telle situation qui va venir frapper à votre porte, criez-le. Je crois en toi, Jésus. Amen. Je me confie en toi. Mettez à l'épreuve la puissance de Dieu, mais surtout votre foi. Viens au secours de mon incrédulité. Certes, il y a de l'incrédulité parfois, il y a des doutes. Mais pensez à ce qu'on a pu entendre ce matin, c'est-à-dire la compassion. Osez croire et l'obéissance. Amen, frères et sœurs. Tout est possible. Il y a des choses qui peuvent être réglées par la foi.
Et certainement ce matin, on va prier ensemble. On va demander à Dieu. Peut-être que beaucoup, comme moi, on va prier, viens au secours de mon incrédulité. J'ai besoin de croire encore. Seigneur, nous interpelle ce matin sur cette parole. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois encore à ce verset? Est-ce que ce verset veut dire encore quelque chose pour toi, mon ami? Est-ce que ce verset peut encore trouver un coin dans ton cœur? Tout est possible à celui qui croit. Telle situation, la conversion de tes enfants, la maladie de tes enfants, les choses qui se passent dans la famille, eh bien je m'écris, je crois en Jésus. Seigneur, c'est notre prière ce matin. C'est notre prière ce matin. Nous savons que ta parole n'est pas qu'une question théologique ou de morale, mais elle est surtout là pour nourrir notre foi, pour voir ta gloire au milieu de nous. Je prie pour celui et celle qui a des problèmes à la maison, celui et celle qui a des problèmes avec ses enfants, qui voit son enfant prendre un chemin qui n'est pas bien, prendre un chemin ténébreux, un chemin du mal. Ô Dieu, ce matin, nous voulons que ce lieu soit un lieu de foi, un lieu où monte la foi, Seigneur, un lieu où tu encourages, tu fortifies la foi de mes bien-aimés. Seigneur, je prie afin que lorsqu'on va rentrer chez nous, eh bien que nous puissions rentrer chez nous avec une foi renouvelée, alléluia, une foi qui compte sur ta parole, une foi qui ose, une foi audacieuse. Alléluia. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.